Près de 2 ans après la disparition de Jean-Pierre Pernaut, Nathalie Marquet continue à aimer intensément son défunt mari. Dans les colonnes de Gala, la veuve du journaliste a expliqué la raison pour laquelle elle ne se voyait pas refaire sa vie. Pendant 15 ans, Nathalie Marquet a vécu un amour profond avec l'homme de sa vie, Jean-Pierre Pernaut. Une histoire intense, ponctuée par la naissance de leurs 2 enfants, Lou et Tom. Mais le 2 mars 2022, la star du JT de 13h s'éteignit après avoir accumulé les problèmes de santé, lui qui avait notamment battu 2 cancers, de la prostate et des poumons. Mais Nathalie Marquet s'est toujours montrée très claire, son mari n'a pas été emporté par le cancer. Il, les médecins, note de la rédaction, ne comprenait rien. Si est-il pour cela que je suis sceptique sur les causes réelles de son décès. J'ai voulu rétablir un peu la vérité pour déclarer qu'il n'est pas mort du cancer, mais bien d'autres choses, a-t-elle confié à Gala, dans un entretien paru ce jeudi 4 janvier. Il faudrait vraiment une personne extraordinaire pour remplacer Jean-Pierre. Nathalie Marquet, qui affirme recevoir de nombreux signes de son mari depuis l'au-delà, a souvent été interrogée sur l'envie, ou non, de refaire sa vie. Alors franchement, on n'arrête pas de me poser cette question, si est-il quand même dingue. Non là, je ne suis vraiment pas prête. Il faudrait vraiment qu'on me l'envoie du ciel celui-là, je ne sais pas. Avait-elle confié sur le plateau de Pascal de la Tour du Pin, en septembre dernier. Dans son entretien accordé à Gala, l'ex-reine de beauté a de nouveau été interrogée sur le sujet, et a tenu à expliquer la raison pour laquelle elle refusait catégoriquement de tomber à nouveau amoureuse. Ce n'est absolument pas dans mes plans. Même s'il n'est plus là, j'ai toujours l'impression d'être mariée à lui. Et puis, ça ne m'intéresse pas. Vous vous rendez compte, il faudrait vraiment une personne extraordinaire pour remplacer Jean-Pierre, a-t-elle déclaré. Puis de poursuivre, non, je n'ai vraiment pas envie. Je ne l'imagine même pas, parce que pour l'instant, je suis encore avec Jean-Pierre et on est ensemble. Je ne vois que lui. Il n'y a qu'une seule place dans le cœur de Nathalie Marquet. Thank you.